Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Rachid Mbarki, c'est vrai qu'on parlera dans l'interview quiz de votre parcours, notamment sur BFM TV, où je poserai des questions à nos challengers, mais c'est vrai qu'on peut le dire, vous êtes une figure de la chaîne d'information en continu. Alors vous êtes à la présentation des éditions du soir, 7 éditions à partir de 18h jusqu'à la dernière à minuit 30, c'est ça? Et ensuite, entre minuit et minuit 30. Minuit, voilà, exactement, ouais. Place aux rediffusions, après jusqu'à 4h30 du matin. C'est vrai que les téléspectateurs critiquent souvent l'uniforme... mince... Voilà. L'uniformisation pardon, de l'information. Comment on se différencie finalement de ses concurrents, Rachid Mbarki? On ne se différencie pas. On ne cherche pas à se différencier. Mmh. On cherche juste à informer les gens. Mmh. Mais voilà, chacun a sa façon, bien sûr. Mais ça ne sert à rien de chercher à se différencier. Il y en a certains qui ont tenté à une époque de faire de l'info décalée, trucs comme ça. On n'a qu'à voir ce que ça donne aujourd'hui. Hein, ça ne marche plus. Mmh. Donc voilà, on ne cherche pas à se différencier. On cherche juste à donner l'info telle qu'elle est. Alors c'est vrai que, il me semble, vous étiez venu dans une émission qui s'appelait Réveil Média. Ici, vous aviez confié que vous arriviez en début d'après-midi. C'est quoi la journée type de Rachid Mbarki à BFM TV? Donc j'arrive à la rédaction aux alentours de 14h. Je regarde tout ce qu'ils ont fait depuis le matin, sous quels angles ils ont traité. Les infos, je les connais, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Moi aussi, je reçois sur mon téléphone des messages push. Hein. Voilà. Et donc je regarde tout ce qu'ils ont fait, sous quels angles ils ont traité l'actu. Et puis je regarde un petit peu ce qui est prévu pour plus tard. À 15h, il y a la conférence de rédaction, la grande conférence de l'après-midi. Ensuite, c'est un travail d'équipe après, hein, mon équipe. On fait le tri entre tout ce qui nous est proposé. Bon, il y a évidemment des figures imposées, mais il y en a d'autres où on peut choisir. Et puis, c'est un gros travail d'écriture. Jusqu'à environ de 17h, 17h30, où il y a une mini-réunion de rédaction là, pour le début des éditions du soir, hein, parce que ça commence réellement à 18h, les éditions du soir. Et puis, après, maquillage, plateau, et ça n'arrête plus jusqu'à 18h30. Et antenne. Quelle serait l'info qu'aurait été la plus dure à traiter ces dernières années, Rachid Mbarki? S'il y en a une en particulier qui vous a particulièrement marqué? Ouais, forcément, je veux dire, les attentats à Paris... C'était très très compliqué. Très compliqué d'être à la fois très informatif et en même temps de garder la distance suffisante et d'avoir le mot juste. Et ça, c'est très très compliqué, surtout quand c'est du direct, hein, c'est sans filet. Et voilà, alors bon, évidemment, on peut commettre des erreurs, on peut commettre des petits impairs, mais c'est nous aussi on a comme tout le monde, hein, c'était notre première fois. Et on a essayé de faire au mieux. C'est vrai que BFM, c'était très compliqué. C'est la première chaîne info avec 2,5% d'audience. C'est 4 fois plus quand même que la deuxième LCI. Donc quelles seraient les recettes du succès de BFM TV, Rachid Mbarki? Je pense que la recette du succès au départ, c'est d'être partout tout le temps. Voilà. Évidemment, je veux dire, on n'a pas 300 000 journalistes qui couvrent le pays, hein, c'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est juste de faire les bons choix et de les assumer jusqu'au bout. Et puis ensuite, pour les téléspectatrices et les téléspectateurs, BFM TV devient un réflexe. Quand il se passe quelque chose, on met BFM TV, tiens, on veut voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors bon, peut-être que ça va changer à l'avenir, qu'il y aura d'autres réflexes vers d'autres... j'en sais rien. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est BFM TV, c'est comme ça. Et c'est bien, tant mieux. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.